matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver eh bien, pour entamer cette troisième semaine de ce mois de mars. Nous sommes lundi 18 mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un joli week-end. Alors je continue avec ce bel oracle angélique. Je débuterai par la petite philosophie du matin, je terminerai par l'affirmation positive pour cette journée. La petite philosophie de ce matin, eh bien, contrôler son humeur. Notre humeur du matin, eh bien, détermine notre façon de voir le monde. Et non l'inverse, n'est-ce pas ? Si l'on a bien dormi et que l'on se réveille en forme, eh bien, on a tendance à entrevoir des solutions pour chaque problème qui se présente. Dans un jour favorable, le même souci nous paraîtra, eh bien, insurmontable et notre existence une succession de contraintes. En bien des circonstances, n'est-ce pas ? C'est moins l'environnement qui change que le regard que nous portons sur lui. Waouh ! Belle petite philosophie pour ce matin. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé l'ange de la guérison. Ah là 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 ! Purification, libération, soin. L'ange de la guérison. Vous savez, quand on a la santé, on a tout l'or du monde. La guérison est une voie naturelle car elle jaillit de l'amour. Elle est amour. La guérison, eh bien, elle s'effectue toujours simultanément sur différents plans. Si tu guéris ton corps, eh bien, tu guéris aussi ton âme. Et quand tu guéris ton cœur et tes émotions, eh bien tu guéris toujours ton corps du même coup. Nourris ton âme de l'aliment universel qui est quoi ? Qui est l'amour. Ne mets aucun doute à l'intelligence et au pouvoir infini qui possède ton corps. Eh bien, pour se purifier et se libérer. Tu n'es pas la maladie pour certains d'entre vous. Vous n'êtes pas la maladie. Elle n'est pas à toi et elle n'est pas non plus une ennemie. Elle est là pour te permettre de te comprendre. Elle est là pour que tu rectifies ce qui doit être. Te libérer et de grandir. Utilise le baume curatif de l'amour. Aime chaque parcelle de ton corps. Et c'est ainsi que tu retrouveras la voie, celle de ta santé parfaite. La clé pour la guérison, sur tous les plans, est l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour en soi. Tel est le cadeau divin pour chacun. Alors il est vrai que pour toutes celles et ceux qui ont une maladie. Il ne faut jamais oublier que le mal a dit, la maladie, c'est le mal a dit. Que devons-nous rectifier ? Que devons-nous transcender de cette vie et des autres vies, de nos vies antérieures ? Pourquoi avons-nous telle ou telle ou telle maladie ?
Alors, il faut aussi ne pas oublier que notre santé physique dépend de notre santé mentale. Donc, si nous avons des mauvaises choses en tête, si nous avons fait de mauvaises choses, des choses pas bien dans cette vie ou dans d'autres vies, évidemment, ça se répercute sur notre santé physique. Et c'est tout un travail que nous devons faire. Demandons pardon à toutes celles et ceux que nous avons offensés, que nous avons blessés, conscients ou non conscients, consciemment ou pas consciemment. Demandons à cet ange de guérison, de nous guérir, de nous purifier, de nous libérer des mauvaises choses que nous avons faites. Ça me parle beaucoup, vraiment. Je suis émue parce que ça me parle beaucoup. Donc demandons à cet ange la guérison. Rien n'arrive pour rien. Tout a une signification. Peu importe la maladie que on peut avoir, que vous avez, ça a une signification. Il faut travailler sur cela. Vraiment. Et si j'ai un petit conseil à donner, si je peux me permettre, travailler avec l'ange Mumia. Mumia est le 72e ange et il régénère les cellules Mumia. Donc pour celles et ceux qui ont une maladie grave, travailler avec cet ange Mumia. Waouh, nous débutons la semaine très très fort, n'est-ce pas? Que devons-nous comprendre? Que devez-vous comprendre? Voilà, posez-vous cette question et vous seul pouvez y répondre. Moi je sais que je peux répondre à mes questions. Je termine par l'affirmation positive. Je m'autorise à faire la paix avec moi-même. Je m'autorise à faire la paix avec moi-même. Je m'autorise à faire la paix avec moi-même. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Et moi, je vous embrasse tout fort. Et je vous dis à demain.